Ujambo ndugu watazamaji wa Nipe News TV popote pale mulipo, matumaini yetu ni kwamba muna heri ya afya. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo siku ya Jumanne ya tarehe 14 mwezi wa Septemba mwaka 2021. Mimi jina langu Mwalelwa Msekedide ninaye kukaribisha wewe nasi tangu mwanzo hadi tamati. Tuanze habari za leo na habari za huko Kananga. Maajabu ya shuhudiwa na raia mjini humo katika jimbo la Kasai Central, na hiyo ni baada ya wezi kujigeuza kuwa ndege aina ya kunguru makubwa. Basi tushuhudie maajabu hayo. Ils ont été arrêtés, les deux voleurs. Et voilà, quand les policiers voulaient se plaindre, quand ils voulaient crier, ils se sont transformés en corbeaux. Voilà, incroyable mais vrai, à Kananga. Incroyable mais vrai, ils sont là. Jamais vu, vraiment. Jamais vu. Vous voyez, Kananga en débandade. Les deux voleurs sont là. Ils se sont transformés encore. Franchement, incroyable mais vrai. Vous voyez, c'est tout le monde qui vient de voir. Les policiers sont derrière avec les journalistes et on est en train de filmer aussi les policiers. Les très forts policiers sont là. Voilà. Lualaba. Wamama wa mkoa wa Lualaba wapinga maamuzi yaliyofanyika jimboni humo kwa ajili ya kumuondoa Richard Muyenje aliyekuwa gavana wa mkoa huo. Hii mambo paka hapa mnasikia sema Muyenje arudie mu province. Jo mambo ya kontrole ya budget inalamuka. Mena huku kote hii chef alikuwa ka wapi jo kutuma. Mende tunasema hivi. Aussi longtemps que Muyenje achiche mandat yake, mukolezia mtakuwa tranquille. Nous allons demander la force. Ya kutoka mu Angola, tutakuwa kisha bubishu. Et nous savons que ce sont toujours les rondes qui sont derrière. Les rondes. Tu vas me trahir, Muyesh. Et puis, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Si, ma maman, province à l'Olaba, tu n'as pas de foutre, Muyesh a quoi ici mandat. Mambo ya IGF, kule kote, il y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a problème, il y a toqué, wapi. Mais pourquoi, parmi les 11 députés, Mumuchukia mtu mwe. Mumuchukia mtu mwe chua nini. Tunatafuta papa kamweni. Aseme verite. Kama ni mkristu. Le 11 depite. Kama ni mkristu baseme verite. Kama ni tushe franga. Antuka Mungu. Mungu. Kama existake. Badepite batekala. Kama kweri Mungu an existaka. Kutakuya tempête. Il t'a jumelé la Colosie. La Colosie n'existait pas. Parce que tout le Lubumbashi ou India Colosie, quand tu vas dans un hôtel, Kuangaika, lieu de rendez-vous, c'est à Fungurume Teke. Tout le monde a tout cas, tu as fait comme Colosie pendant deux jours.
Maintenant, là, moi, je vais atteindre ça. Moi, je vais faire une bibliothèque. Moi, je vais faire une bibliothèque. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une bibliothèque. Il est chef. Pourquoi ma carrière, on a quoi passé par là? Mais qu'est-ce que vous avez volé? Vous avez fait un dollar, un franc. Ou bien, il va ma héros. En tout cas, il n'en est sa mauvaise foi. Il n'en est président Tshisekedi Antoine Félix. Kolwezi, waziri wa madini anaendelea kutafuta mbinu za kunufaisha raia wa eneo hilo wanaochimba madini. Tutizame jitihada anazozifanya. L'image vécue par la ministre de mine sur le site de Kasola, situé au nord-est du centre-ville de Kolwezi. Ce site officiel reconnu par l'État congolais compte plus de 9000 travailleurs, jeunes et vieux, en quête de leur gagne-pain. Ils bravent ainsi tout danger en creusant jusqu'à 30 mètres de profondeur, indique un minier qui requiert l'anonymat. Cependant, après avoir trouvé ce minerai, ils les vendent aux Chinois qui utilisent une balance truquée en vue de revoir à la baisse les prix fixés pour une quantité donnée. Ces mêmes minéraux sont vendus auprès des grandes entreprises par les Chinois à un prix exorbitant. Voilà l'objet de la lutte contre la fraude minière engagée par la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, qui ne cesse de brandir le code et règlement minier qui du reste offre aux exploitants artisanaux la possibilité de devenir millionnaire en se constituant en coopérative minière, d'autant plus que ce site de Kasola est riche en coltan et cobalt. L'action de la patronne de mine s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui voudrait que ces minéraux profitent à l'État, aux populations locales et aux investisseurs qui se conformeront aux lois régissant le secteur minier en RDC. Pour rappel, deux coopératives occupent déjà cet endroit. Sur 52 sites miniers artisanaux que compte la province de Lualaba, seuls 42 sont reconnus par l'État congolais, 10 autres opérant en toute clandestinité puisque dépourvus de documents officiels. Lubumbashi, balozi wa Marekani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Maikama, huyo amemaliza ziara yake aliyoifanya huko Katanga, akikutana na yule aliyekuwa gavana wa mkoa huo, Bwana Moise Katumbi Chapwe, huku akifurahishwa na hatua za maendeleo endelevu zinazofanywa na mheshimiwa Moise Katumbi Chapwe. Hebu tutizame. Bon, c'est une occasion pour venir à me réunir avec le président Moïse Katumbi de l'ensemble et pouvoir venir voir qu'est-ce qu'il a fait ici pour la communauté et le développement dans la région. Et c'est vraiment impressionnant de voir les installations et le grand potentiel agricole qu'il y a dans la province. Bon, je le déjà savais qu'il y a en RDC un grand potentiel agricole et on verra s'il y a des opportunités pour des investisseurs américains pour venir à la région. Et on a bien sûr discuté la situation politique, économique du pays et comment les États-Unis peuvent soutenir le développement de la RDC, faire avancer la paix et la prospérité. On a parlé de tout. C'est toujours bien de comprendre leur position avec tous les points ponctuels. Comme vous avez mentionné, il y a les questions sur la loi de la congolité, assurer les élections en 2023, une élection qui sera, qu'on espère que sera transparente et bien faite, et que c'est équitable. Et la position des États-Unis est qu'on voudrait voir que les élections en 2023 seront meilleures que ceux qui sont passées en 2018. Kinshasa, licha ya gavana kutokuruhusu maandamano inayopangwa kufanywa na muungano wa Lamuka, El Fayulu na Muzito, hatimaye Fayulu amesisitiza kwamba lazima maandamano hayo yafanyike. Tusikilize. Peuple congolais, chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui pour confirmer que la marche de ce mercredi 15 septembre 2021 aura lieu à Kinshasa et dans les autres villes du pays conformément à l'article 26 de la Constitution de la République. Je rappelle aussi que, sur pied des dispositions de l'article 12 de la Constitution,
tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Je vous invite donc à sortir nombreux dans les rues de Kinshasa et des autres villes du pays pour dire non à une CENI politisée, non au glissement en 2023, non à la fraude électorale, non à la dictature, oui aux réformes institutionnelles consensuelles. Ainsi, j'invite la police nationale à encadrer cette marche pacifique et à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Banamboka, moto abangisabino te, biso nyonso na balabala, mokolo ya misato, le 15 septembre, pour pasi eleki na mboka. Belesi nabino, merci, que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Tukisalia hapo mjini Kinshasa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Felix Tshisekedi Chilombo, amepokea chanjo yake ya kwanza ya COVID-19. Chanjo hiyo ni aina ya Moderna, na rais huyo anaomba raia wa Kongo kuiga mfano wake, kuchukua chanjo ili wajikinge na janga hilo hatari linaloyumbisha ulimwengu mzima, janga la COVID-19. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, et la distinguée première dame se sont présentés à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine ce dimanche en fin de journée sur place. Les corps médicaux, renforcés par la présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la couverture maladie universelle, avaient pris toutes les dispositions pour assurer une prise en charge efficiente. Comme tout requérant, les chefs de l'État et la première dame se sont conformés au protocole mis en place par les équipes du programme élargi des vaccinations PEV. Tous les signes vitaux étant en situation normale, les présidents de la République et son épouse ont reçu chacun la première molécule du vaccin. Voilà. Injection directe. Voilà. Merci. Sur recommandation du médecin, le couple présidentiel a été convié à la salle d'observation pendant un quart d'heure et c'est dès là que le garant de la nation a lancé un appel à ses compatriotes pour les inviter à faire de même. Ma première réaction physiquement déjà, ça va bien. Donc c'est la preuve que on peut prendre ce vaccin sans qu'il se passe quoi que ce soit. La seconde réaction, c'est de dire que par cet acte, je confirme ce que j'avais dit il y a quelques semaines à Goma, que le moment venu, j'allais le faire avec mon épouse. Donc, vous voyez que je ne viens pas en cobaye, je viens vraiment en personne sûre que le vaccin protège. C'est vrai que le vaccin, nous devons tous l'avoir parce que malheureusement, cette pandémie tue. Et moi, j'en sais quelque chose, j'ai perdu des êtres chers, plusieurs. Donc, par cet acte, vraiment, je veux montrer à mes compatriotes qu'il faut vraiment prendre ce vaccin et qu'il ne faut pas du tout s'inquiéter. Donc là, je suis en attente. Il faut, après avoir pris le vaccin, attendre 15 minutes. Donc je suis là, j'attends. Jusque-là, ça se passe bien. Je suis à 10 minutes déjà. Donc, pour vous dire, tout se passe bien. Donc je demande à tous nos compatriotes de se mettre à l'abri de cette pandémie et en prenant le vaccin, évidemment. Voilà. Donc mon épouse est là. Elle vient aussi, de la première dame, elle vient de recevoir le vaccin 5 minutes après moi. Donc elle aura 5 minutes d'attente de plus. Mais sinon, tout va bien. Il n'y a aucun problème et vraiment, je demande instamment à tous mes compatriotes de prendre ce vaccin parce qu'il sauve des vies.
Par ces gestes, le couple présidentiel a lancé la deuxième phase de vaccination contre la COVID-19 et après une demi-heure d'observation, les présidents de la République et la distinguée première dame n'ont présenté aucun signe d'alerte. Les corps médicaux avaient des bonnes raisons de pousser un ouf de soulagement. Mais le chef de l'État vient de montrer l'exemple parce que je pense qu'il était très attendu. Avec raison, parce que c'est lui le garant de la sécurité et du bien-être de tous les Congolais. Et il a pris la mesure depuis très longtemps de cette pandémie. Et rappelez-vous qu'on avait fait venir d'abord un premier lot de vaccins. Et puis là, on vient de recevoir un deuxième lot de vaccins. Et le chef de l'État, comme il avait annoncé, dès lors qu'on recevrait ce lot, il allait se faire vacciner, lui et la première dame. Après une gestion de la pandémie bien maîtrisée, la République démocratique du Congo fait aujourd'hui partie de pays qui ont une solution vaccinale variée. La task force présidentielle annonce l'arrivée imminente d'autres lots de vaccins dans les prochains jours. Le train est lancé parce que là on a reçu 250 000 doses de Moderna. On va recevoir très rapidement, probablement la semaine prochaine, encore 250 000 doses, cette fois-ci de Pfizer. Mais Pfizer, c'est sur un total de plus de 4,5 millions de doses que nous allons recevoir. Mais ensuite, dans un troisième temps, on va recevoir de Johnson & Johnson. Vous savez, le vaccin à une seule piqûre. Et celui-là, les engagements qui sont pris, c'est pour 26 millions de doses. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis à la disposition de membres du gouvernement, de ses collaborateurs et d'autres personnalités de la République, sa clinique présidentielle pour la vaccination. Beni, ngomo baridi wa kupinga hali ya dharura au état de siège imeshuhudiwa jijini hapo licha ya meya polisi kutoa vitisho kwa mashirika ya kiraia yaliyoitisha mwito wa watu kubaki manyumbani kugoma kazi. Tutazame hali ilivyokuwa maeneo hayo ya Beni. Les activités ont tourné au ralenti ce lundi à Beni. Des commerçants ont fermé leurs magasins, boutiques et autres commerces. Ils répondent à l'appel de la société civile qui a décrété deux journées ville morte à partir de ce lundi. Les transports publics et les taxis-motos ont circulé timidement. Paluku Maliabo, chauffeur des taxis-motos, dénonce l'inefficacité de l'état de siège. Dans la ville de Beni, nous vivons dans l'insécurité. On espérait trouver les solutions à l'insécurité grâce à l'état de siège, mais on est surpris et désolé de voir que la situation s'est dégradée plus qu'avant même cette mesure. Nous ne passons pas une nuit paisible à cause des cambriolages ici et là. Même nous, taxis même, souffrons. Nous sommes souvent arrêtés en chemin par des bandits qui nous volent l'argent et les téléphones. Nous ne voyons pas la nécessité de cet état de siège. Au centre-ville de Beni, des incidents ont été enregistrés pendant le couvre-feu décrété par les autorités militaires. Des bandits opèrent même en uniforme de l'armée ou de la police, déplore John Kambale, rapporteur général de la société civile qui plaide pour la levée du couvre-feu. Nous avons appelé la population de rester à la maison, méditer et réfléchir sur la situation sécuritaire de la ville. Nous pensons que ça sera une solution. Ça va permettre aux autorités de voir à quel degré, d'abord de s'évaluer et de voir à quel degré la population en a marre de l'insécurité qui prévoit en ville comme en territoire de Beni. Rappelons que cela fait 4 mois environ que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées en état de siège, décrété par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi pour assurer le contrôle de la situation sécuritaire dans ces provinces, une mesure. Huko Ubelgiji, kwa mara nyingine tena, jamii ya kabila la Wanande wanaendelea kuomba jumuiya ya kimataifa iingilie kati kumaliza mauaji yanayoendelea mkoani Kivu ya Kaskazini na ule mkoa wa Ituri. Hebu tuone. Stop killing Benny! Non au violence! Non au silence! Non au silence! On n'est pas à vendre! Mais non.
Tumalizie ripoti zetu za leo tukitazama namna gani wabunge wanavyopokea gari zao bungeni mjini Kinshasa. Na ni kufikia hapo, ndugu mtazamaji wa Nipe News TV, sina cha ziada. Nimekamilisha yote tuliyoandalia. Naamini kwamba ulikuwa nasi tangu mwanzo hadi tamati. Naomba usibanduke kabla hauja subscribe ili kujiunga na channel yetu hii inayokuletea habari kemkemu kwa wakati na habari za uhakika. Mimi jina langu Mwalelwa Msekedire, ninayekutakia kila laheri hadi hapo tutakapokutana tena hewani. Bye bye. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika. Subscribe channel hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.